30 jours, 30 comics, épisode 14, action. Salut à tous, bienvenue dans la 14e vidéo de ce challenge de 30 jours, 30 comics, vos devoirs de vacances des comics. Aujourd'hui, on va parler d'un petit crossover assez sympa, vous l'avez deviné en lisant le titre, on va parler de Batman Lobo. Alors c'est un petit crossover que je vous ai choisi parce que, bah évidemment, vous connaissez ma passion pour le Batman. Vous savez évidemment que Lobo est un de mes personnages favoris de l'univers des comics. Ceux qui ne connaissent pas Lobo, d'ailleurs, on a fait le premier épisode de Plus loin d'or consacré à Lobo. Je vous mettrai un petit lien, comme d'habitude, en fin de vidéo avec les petites vignettes, là. Et donc ce crossover, par Alan Grant et Simon Bisley, deux auteurs et dessinateurs cultes de l'univers de Lobo. Ce qui va se passer, en fait, c'est que ça se passe dans un univers alternatif, déjà, premièrement, puisque James Gordon est le valet de Bruce Wayne et Alfred, eh bien, c'est le commissaire de Gotham City. Et donc le Joker va proposer à Lobo une prime pour humilier et détruire le Batman. Et bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Lobo, ça va très très vite prendre des proportions assez extrêmes, puisque Lobo va donc se faire un costume de Batman et faire tout un tas de conneries en se faisant passer pour le Batman. Puis on va avoir droit à une vraie baston Lobo contre Batman vraiment culte. Et surtout, il va arriver un moment où Lobo va vouloir tuer le Joker, puisque c'était sa mission principale sur Terre avant d'accepter celle de tuer Batman. Et on va avoir droit à des scènes qui sont vraiment cultissimes et très très drôles. Enfin franchement, c'est une histoire qui est un scénario très 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 con, c'est très con, mais qu'est-ce qu'on rigole, putain, c'est du Lobo, et puis Lobo c'est badass quoi, regardez-le quoi, Lobo son pouvoir de résurrection est complètement désintégré, des grosses bastons Lobo-Batman, des grosses bastons Lobo-Joker, Batman-Joker, Batman-Joker, Batman, enfin voilà, on rigole tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Si vous avez l'occasion de le lire, eh bien écoutez, allez-y. Bon, dépensez pas une tonne d'argent pour ce truc-là, parce que c'est pas non plus exceptionnel. Mais c'est quelque chose qui est vraiment ludique à lire. Je pense que pour des vacances, c'est vraiment le genre de lecture que je conseille. Voilà. Je vous dis pas demain c'est Murdoch. Et puis on se dit à lundi pour l'épisode 16, si je me trompe pas. Déjà, allez, bisous.